Suivant, normalement, ça devrait être. Répondre directement. Ah oui, c'est bon. Okay. Là, dans... ouais, mais c'est un bon truc. Très bien. Bon, ben. C'est bon. Ça passe? Bon. Bonjour à tous. Ça va? Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour célébrer le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vraiment partager ce culte tous ensemble, de venir adorer le Seigneur. Et c'est un privilège pour nous d'être là dans la présence de Dieu. Soyez vraiment bénis au milieu de nous. Nous allons lire un passage pour commencer. Nous allons lire dans Ésaïe 53, au verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute desséchée. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour lui plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple? Amen. Ce passage nous parle de Jésus, qui est comme un agneau, une brebis qu'on mène à la boucherie, qui n'a point ouvert la bouche et qui s'est donné en rançon pour nous. Ce matin, c'est ce Jésus que nous sommes venus adorer, que nous sommes venus louer et célébrer. Et ce matin, je veux t'inviter vraiment à disposer ton cœur, à offrir à Jésus une adoration qui vient du plus profond de toi, qui vient du plus profond de ton cœur, une reconnaissance pour lui parce qu'il a tout payé pour toi sur la croix. Nous allons prier tous ensemble, nous allons recommander ces temps au Seigneur. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous donnes de vivre. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour cette grâce et ce privilège que nous avons d'être réunis tous ensemble, Seigneur, pour te célébrer, pour élever ton nom, Jésus. Parce qu'il n'y a point d'autre nom par lequel nous avons pu être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. C'est pour cela ce matin que nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons te célébrer. Et nous te prions, Saint-Esprit, nous te demandons de régner, de prendre toute la place, de saturer ces moments de ta présence au nom de Jésus. Que rien, Seigneur, ne nous sépare, ne nous défocalise de toi. Nous voulons rester centrés sur toi, Jésus. Que nos cœurs soient tirés dans ta présence, oh Rabba Caché. Nous laissons tous nos soucis, tous nos fardeaux de côté, Seigneur. Nous abandonnons tout dans ta présence, Seigneur, et nous te laissons régner, Saint-Esprit, au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus, pour, Seigneur, ta présence. Merci parce que tu es là au milieu de nous par ton esprit, et nous nous attendons à toi, que ta gloire, oh oui, se manifeste en ce soir, en cette matinée, que ta gloire visite nos maisons, que ta gloire visite nos familles,
Que ta gloire visite nos cœurs et nous transforme au nom de Jésus. Oh Seigneur, combien nous t'aimons, combien nous t'adorons. Et ce matin, oui Seigneur, nous voulons exprimer toute notre connaissance. Seigneur, notre louange et notre adoration. Oh Ramakaya, Pariyabasataka, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous à adorer le Père et le Fils. Saint-Esprit, aide-nous à élever le Père et le Fils comme il en est digne. Oh Ramakaya, Ramakaka, Ramakaka, Rogoroso, Teke. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh Ramakaya, Ramakaka, Teke. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Noi caria va cara bara ka ba 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 shete cara ro 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 cobra sa. Gloire à Jésus, notre roi. Gloire à Jésus, notre sauveur, notre libérateur. Celui qui nous a aimés le premier. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse la place à l'équipe de louanges qui va nous conduire dans des moments d'adoration, que vraiment nous puissions rentrer dans le lieu très saint et adorer le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous célébrons ce matin. Alléluia. Alléluia. Bonjour, bonjour, bien-aimés. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Je sais que Jésus est dans ta maison et je sais qu'il va faire des choses. Amen. Car la parole de Dieu nous dit où deux ou trois se réunissent, il est au milieu de Amen. Si tu es avec ta famille, adore le Seigneur et lève son nom ce matin et dites-lui combien il est bon. Car ses bontés dans nos vies et sa grâce est infiniment grand. Amen. Il est puissant. Il est celui qui nous donne la vie en abondance. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Seigneur, reçois ma louange, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Des mille ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, oui, toi qui connais mon cœur. Le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie, pour tes bontés dans ma vie, et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Tu me l'as pas suivi pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange comme l'estophie, oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, pourrais-je t'offrir, Seigneur, voici mon cœur. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, pourrais-je t'offrir, Seigneur, reçois,
Nous te courons,
Oh, tu es le
Seigneur, tu es le ressuscité, tu es assis à la droite du Père et tu as fait de tes ennemis sans marcheter. Le Père t'a établi, tu es levé au-dessus de tout et tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. C'est pas ça, la bataille, tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons comprendre et saisir. Seigneur, tu nous dépasses, Seigneur, tu es excellent. Seigneur Père, tu es l'unique, le seul véritable Dieu. Ariabakar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 
Alléluia, alléluia. Le seul qui est capable de nous libérer, de nous affranchir, Seigneur de la mort. Oh Seigneur Jésus, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous prélevons ce matin, Seigneur. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Tous les autres dieux sont morts, mais notre Dieu est vivant. Il est le véritable. Il est celui qui est capable de nous sauver, celui qui est capable de nous délivrer, celui qui est capable de nous restaurer, de nous guérir. Il n'y a point d'autre Dieu que notre Dieu. Oh Jésus, nous Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sortis du péché. C'est lui qui nous a libérés de l'esclavage. Seigneur, dans lequel nous étions, l'esclavage du péché, les addictions. C'est toi qui nous as libérés et affranchis, Seigneur. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant ce matin. Nous voulons te dire merci d'un cœur reconnaissant. Que ton nom soit encore glorifié. Que ton nom soit encore élevé ce matin, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es notre seul sauveur et que nous n'en avons point d'autre que toi, parce que c'est toi qui es mort sur la croix pour nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Merci, Jésus, pour ton immense amour. Merci, parce que toi qui étais sans péché, tu t'es fait péché pour nous, Seigneur. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te louer et te glorifier? Tu es notre Dieu.
Tu es le seul Dieu, l'unique, le véritable, le vivant. Il n'y en a point d'autre comme toi. Dans cette attitude d'adoration, nous allons prendre la Sainte Cène et nous allons nous souvenir, comme nous le dit la parole, nous allons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Comme je le disais en introduction dans Ésaïe 53, la parole nous dit que pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est lui qui a porté nos péchés sur son corps. C'était nous qui devions mourir sur la croix, mais Jésus l'a fait par amour pour nous, parce qu'il voulait nous sauver, nous racheter, nous libérer. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu a racheté au moyen de son Fils unique, au travers du sang qui a coulé, au travers de son corps qui a été crucifié sur la croix. Et parce qu'il est ressuscité, c'est pour cela que nous avons l'assurance dans notre cœur par le Saint-Esprit que nous sommes aussi ressuscités, que nous sommes sauvés et qu'un jour nos yeux le verront face à face lorsque nous irons dans sa présence. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène avec joie, avec foi, avec reconnaissance, avec amour, avec adoration, parce que le Seigneur nous a libérés, il nous a guéris, il nous a affranchis, il nous a restaurés, il nous a renouvelés. Alors soyons dans la joie et prenons vraiment le corps du Seigneur et le sang de Jésus, comme cette victoire qui a déjà été accomplie sur la croix de Golgotha. Alléluia, alléluia. Alléluia. Peut-être le diable veut t'accuser et te dire que oui, tu as péché. Mais je veux te dire ce matin que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle pour te pardonner et son sang pour te purifier. Il n'y a pas besoin de faire de grandes prières. Il n'y a pas besoin de se meurtrir le corps. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Ce n'est que par grâce que nous pouvons être pardonnés juste. Et sauver. Alors ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment également de le faire. Si tu ne l'as pas encore confessé comme sauveur et Seigneur, tu peux le faire ce matin. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix aussi. Tu peux lui dire que tu lui demandes pardon pour tes péchés, pardon pour ta vie sans lui. Que ce matin, tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur parce que tu sais qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'à partir de maintenant, tu décides de vivre pour lui, avec lui et en lui par sa grâce. Alors ce matin, je vais inviter également tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par l'immersion, à prendre la Sainte Cène, le corps de Jésus, le pain que nous mangeons qui est le symbole du corps de Jésus qui a été donné pour nous. Nous allons prendre ce pain tous ensemble. Mangeons. C'est le corps de Jésus. C'est dans ses meurtrissures que nous avons la guérison à toutes nos maladies. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que le diagnostic t'a fait comprendre, quel que soit ce que tu ressens dans ton corps, par la foi, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison, le miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable veut te tenir dans la maladie, le diable peut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ce matin, Jésus est là, le Saint-Esprit est là et il te communique la guérison, il te communique la restauration. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre le vin, symbole du sang de Jésus qui nous communique la vie de Dieu, qui coule dans notre corps, qui coule dans nos veines, qui coule dans notre être tout entier. Buvons tous ensemble. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix, ton sang qui a ruisselé pour nous.
C'est par ton sang que nos péchés sont effacés. C'est parce que ton sang a coulé qu'aujourd'hui nous sommes réconciliés avec le Père. C'est parce que ton sang a coulé sur la croix que nous sommes sauvés, rachetés, libérés. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang. Ton sang précieux. Il n'y a pas d'autre sang que le tien qui peut nous laver, nous purifier comme toi. Alléluia. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour nos péchés. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour nos péchés. Ton sang a coulé, coulé. Ton sang a coulé, coulé pour nos péchés. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé. Seigneur, tu nous as tant aimé. Tu nous as tant aimé que tu as accepté de mourir, de prendre les fautes, de prendre les malédictions qui étaient sur nos vies, de prendre la condamnation qui pesait sur nous à cause du péché. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une vie nouvelle dans la liberté en Christ, une vie nouvelle dans la liberté par le Saint-Esprit, une vie nouvelle, oui, nous pouvons faire ce que tu nous demandes et être ce que tu veux que nous soyons. Merci parce que tu nous as affranchis du péché, affranchis de la mort. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous sommes heureux ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes tellement reconnaissants ce matin de ce que tu as fait pour nous, Jésus. Oh, ami à Carabas, je nous attends. Soribaka Carabaka Santeke. Donne-nous de comprendre et de réaliser de quel amour tu nous as aimés, Seigneur. Oh, Dakedate Korobas Santeke, de toi qui étais sans péché. Toi qui étais sans péché, on a fait de toi comme les voleurs, on t'a cloué sur la croix à cause de nos péchés. Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour cette immense amour. Seigneur, jamais nous ne pourrons te dire assez merci. Jamais nous ne pourrons assez t'exprimer notre adoration, notre reconnaissance, ton remerciement. Seigneur, merci, merci. Merci. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Merci, Jésus. Merci. Je voudrais vous dire ce matin, ne doutez jamais de l'amour de Jésus pour vous. Ne doutez jamais, quel que soit ce que vous entendez dans vos pensées, quel que soit ce que vous ressentez dans votre cœur, ne doutez jamais de l'amour de Jésus pour vous. Si Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix, c'est pas maintenant qu'il va nous laisser, c'est pas maintenant qu'il ne va plus nous aimer. Son amour pour nous ne change pas. Gardons dans notre cœur cette parole. Le Seigneur nous dit qu'il nous aime et il nous aime pour toujours. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton immense amour. Merci. Merci parce que tu nous as prouvé ton amour.
en te donnant sur la croix. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ce matin. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre sauveur que toi, Jésus. Merci. Merci pour ton salut. Quel que soit le péché que tu as commis, le sang de Jésus est suffisamment efficace et puissant. Laver, c'est Dieu pour te pardonner. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas. Ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas dans la honte. Et viens devant ton Père qui t'aime. Santorea kakarabakabash. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour la délivrance que tu opères là où le diable voulait nous tenir en esclavage. Toi, tu es venu pour nous libérer, Seigneur. Merci pour les délivrances que tu opères ce matin. Merci pour les guérisons du cœur que tu opères ce matin. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout l'honneur te revienne. Amen, amen, amen. Alléluia. Sola cava santa che tu Seigneur est là. Et avec chacun d'entre nous. Ne nous abandonne jamais. Alléluia. 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 Notre Dieu est fidèle. Il est bon. Il ne change pas. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur ce matin. Reçois l'assurance de l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer Jésus. Acclamer notre Père, acclamer le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia,
Alléluia, notre Père fidèle, il ne change pas. Il est avec nous tous les jours, dans les bons, dans les mauvais moments, notre Dieu est là, il est présent. Il nous soutient, il nous réconforte, il nous console, il nous fait du bien. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à notre culte de Cible-Libourg, centre d'évangélisation Esprit et Vie. L'église où le Dieu d'amour transforme la tristesse en joie. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. Comme vous pouvez le constater, nous diffusons le culte depuis notre local, depuis l'église, le bâtiment. Et nous sommes dans la joie. Pour l'instant, chacun reste encore confiné, plus ou moins. On ne peut pas encore se rassembler, mais nous croyons que Dieu est à l'œuvre et que bientôt nous pourrons nous retrouver tous ensemble. Alléluia! Alléluia! Nous prions que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fortifie dans ces temps où vraiment l'ennemi essaie de nous décourager, mais nous, nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui est dans les cieux, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, alléluia. Alors merci au Seigneur pour ces moments merveilleux. J'ai quelques annonces à vous faire. Donc durant cette semaine qui arrive, nous nous retrouverons mardi et vendredi soir à 19h30 sur la plateforme Zoom pour nos rencontres de la semaine. Nous aurons des temps de prière et d'enseignement de la parole. Nous vous rappelons également pour chaque personne de l'église Cible-Libourne que nous sommes en jeûne et prière le vendredi. Nous nous remettons à la grâce de Dieu. Nous prions afin que le Seigneur continue de nous transformer, de nous emmener dans les choses que lui, il a préparées d'avance. On continue à prier également pour l'église, pour tout ce qui se passe, pour que vraiment on puisse se réunir, se rassembler à nouveau. Samedi prochain, nous aurons la rencontre des couples. Donc, nous vous communiquerons l'heure exacte de notre rencontre dans la semaine. Et vraiment, prions, préparons nos cœurs déjà pour ces moments afin que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous parle cette parole avec douceur, celle qui nous communique la vie. Pour cela, je vais laisser la place au pasteur Arcelin pour les temps de la parole. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole, acclamer le Seigneur pour son serviteur, et le recevoir avec joie. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, là où tu acclames Jésus? Seigneur, ce matin, mon Jésus, alléluia. Ton nom est infini, que ton nom est infini, maman. Chante la bouche, chante la bouche. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, maman. Ton nom est infini. Alors que tu chantes ce qu'on dit, réalise que le nom de Dieu est grand. Réalise que le nom de Dieu est plus grand que la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais une chose, je sais une chose, que le nom de Dieu, le nom d'Éternel, est plus grand que tous les autres noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Le cancer est un nom, mais le nom de Jésus est plus haut, plus grand que le nom du cancer. Le nom de Jésus est plus grand que le nom des problèmes financiers. Le nom de Jésus est plus grand qu'une maladie. Le nom de Jésus est plus grand que notre situation. Alors ce matin, chante et réalise que le nom de Jésus est plus grand. Que ton nom est infini, mon nom. Mon Dieu éternel. Que
Réalise que le nom de Jésus, le nom de Jésus est plus fort que toutes les situations que tu traverses. Que tu traverses. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous avons le salut sous le ciel. Le mot salut veut dire également guérison. Le mot salut veut aussi dire restauration. En d'autres termes, ce matin, je suis en train de dire. Lorsque tu cites ce nom, ce n'est que le Seigneur, c'est parce que tu as le salut. Alors ce matin, reçois ta grâce, reçois le salut ce matin, reçois la restauration ce matin, reçois la guérison ce matin, là où tu es, sois guéri ce matin, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que la médecine déclare, connecte-moi ce matin, atmosphère. Sois guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois restauré ce matin au nom de Jésus. Déclare au centuple les liens volés. Il te le restitue au centuple au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus des cieux. Et ton nom est infini. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 L'Éternel m'est apparu de loin et m'a dit, je t'ai aimé de l'amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma gratuité. D'autres versions disent, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Là où tu es, j'aimerais simplement ce matin imprimer ce passage dans ton cœur ce matin. Si tu l'as avec toi ce matin, je te dis ce matin, il t'aime de l'amour éternel. Jusqu'à l'éternité. C'est la raison pour laquelle, ce matin encore, il te conserve sa bonté, il te conserve sa gratuité, il te conserve ses bienfaits, il te conserve ses grâces. Ce matin, saisis, empare-toi par la foi sa parole. Tu n'es pas un désolé, tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à souffrir de façon illégale. La Bible déclare ici que Dieu te conserve sa bonté. Il la renouvelle chaque matin en ta faveur, sur toi-même, sur ta maison, sur ta famille. Alors ce matin, si tu es d'accord avec moi, si tu es d'accord avec moi, si cette parole te parle, alors dis amen ce matin, dis amen comme un tonnerre ce matin, et empare-toi de l'amour de Dieu ce matin. Il ne t'aime rien. La Bible déclare que rien ne peut te séparer de l'amour manifesté en Jésus. La tribulation ne peut pas le faire. Les signes ne peuvent pas le faire. La Bible déclare que rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Alors ce matin, reçois-nous cet amour ce matin. Quel impact au cœur. Le Saint-Esprit ce matin imprime dans ton cœur l'amour pour Dieu. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Et tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé en ce moment. Nous étions encore pécheurs. La Bible déclare que Christ est mort pour nous. Tu as prouvé ton amour. Ton amour n'est pas un amour qui n'a pas de preuve. La Bible déclare que tu as prouvé que tu m'aimais. La Bible déclare que tu as prouvé que tu es mon frère et ma soeur. Parce que Jésus est mort sur la croix. Alors si Jésus l'a prouvé de l'amour, c'est également dire que nous avons tout par Jésus. Alors, Seigneur, merci ce matin pour la guérison. Merci ce matin. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que ce matin, je suis convaincu que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Même si je traverse les courants, même si les vagues se tiennent contre moi, même si les vents sont contraires, je sais que tu m'aimes. Même pendant le Covid-19, je sais que tu m'aimes. Pendant la pandémie, je sais que tu m'aimes. Dans la crise, je sais que tu m'aimes. Dans ce que tu es là, et je proclame ce matin, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes parce que Jésus est là. Je sais que tu m'aimes à cause de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est la preuve de ton amour à mon égard. Je sais que tu m'aimes malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens disent. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Et ton amour est immense. Je sais. Et ma chatte à la main. Et carabassé la main. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que je suis aimé. C'est la raison pour laquelle tu me conserves ta bonté. C'est la raison pour laquelle tu me conserves ta bonté. Ta bonté au Dieu. Et gagne ma vie. Ta bonté, Seigneur. Amour pour l'existence. Alléluia. Merci pour ton immense amour. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. De loin, tu t'es révélé à moi, Seigneur. Et tu nous dis ce matin que tu nous aimes de l'amour éternel. C'est la raison pour laquelle tu nous conserves ta bonté. Père, quelles que soient les circonstances, je ne laisserai pas balbutier par le doute. Je ne laisserai pas balbutier par le doute. Je sais que tu m'aimes. Même dans la difficulté, je sais que tu m'aimes. Dans l'adversité, je sais que tu m'aimes. Dans les épreuves, je sais que tu m'aimes. Lorsque c'est difficile, c'est alors là que tu es encore plus présent. Lorsque les choses semblent s'effondrer, lorsque les choses semblent s'écrouler, lorsque les affaires ne marchent pas, je sais que tu m'aimes. Lorsque, alléluia, lorsqu'on peut des projets contre moi, je sais que tu m'aimes. Tu nous confirmes ce temps. Ce matin, tu nous le dis. Tu es en train de répandre. Tu es en train de répandre dans les maisons et sur la vie des personnes qui sont connectées ce matin. Oh Dieu de gloire, être saisi ce matin par l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Tu n'as pas vécu l'amour d'un père. Tu n'as pas vécu l'amour d'un parent. Tu vas te dire ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime plus qu'un père. Dieu t'aime plus que ton propre père. Tu vas te dire ce matin. Et si les hommes t'ont déçu, si les hommes t'ont déçu, si ton père a démissionné, Dieu ne démissionne pas. Dieu t'aime. Il ne démissionne pas. Alors fais une chose ce matin. Oublie tes déceptions. Et accroche-toi à Jésus. Accroche-toi au Père. Il t'aime. Il te conserve sa bonté. Alléluia. Il t'aime ce matin. Reçois son amour ce matin. Reçois son amour ce matin. Je chasse dans les cœurs toutes les déceptions que tu as pu avoir dans ta relation avec ton Père ou avec tes parents. Je brise tout lien qui ont détruit tes relations avec ton père naturel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des personnes ce matin qui doivent se réconcilier avec leurs parents ce matin. Appelle ton père. Appelle ta mère. Attends de grâce. Dieu veut rétablir les relations avec ton père, avec ta mère. Ne rate pas l'occasion ce matin. Prends ton téléphone. Après ce culte, appelle ton père, appelle ta mère et réconcilie.
soit. La prise est là. Le Dieu est le Dieu de la réconciliation. Et le Dieu de la réconciliation, c'est lui qui réconcilie le Père et le Fils. Et sur la terre, le Saint-Esprit veut faire une œuvre de réconciliation. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre de réconciliation. Alors obéissons. Je chasse tout ton orgueil. Ce matin, nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, ce matin. Ce que tu es en train de faire. Merci pour les réconciliations dans les familles. Merci pour les réconciliations dans les familles. Merci pour les réconciliations dans les familles. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je déclare ce matin que tout esprit de division dans les familles, maintenant lâche-prise dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, au nom puissant de Jésus, les restaurations pleines, là où tu es, prends l'engagement de faire ta part. Tu as fait ta part ce matin. Il a répandu son onction. Va avec cette onction. Appelle ton père. Appelle ta mère. Appelle ton frère. Avec qui tu ne parles depuis longtemps. Pour que tu le connais. Pendant que tu me regardes, tu sais que je te parle ce matin. Ce message s'adresse à toi. Pendant que tu me regardes ce matin, fais-le simplement. Obéis à Dieu ce matin. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ce matin, il y a un temps de grâce. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Envahis ce lieu, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous sommes adorateurs. T'adorons, Seigneur, ce matin, là où tu es, continue à adorer le Seigneur, continue à adorer ce matin. Tu es un adorateur, tu es là pour te créer à la louange de sa gloire. Alors ce matin, Tu es merveilleux, 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 tu es merve
Que le Père également agresse ta nation ce matin. Nous prostrons pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Nous sommes venus pour te voir et toi seul et Dieu. C'est toi seul qui mérite d'être adoré ce matin. Éternel des armées, Dieu vivant d'Israël, les autres dieux sont faits de l'homme. Ils sont faits de moi. Ils ne parlent pas. Ils n'agissent pas. Mais tu es le seul Dieu vivant. Tu es l'éternel des armées. Le Dieu vivant d'Israël. Celui qui donne le sommeil. Ce matin, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus ce matin t'adorer ce matin. Je suis venu t'adorer ce matin. Je suis venu te faire culte sur la terre. De la même manière que certains font culte à des statuettes, à des pierres. Et moi, Père, je suis venu ce matin, éternel des armées, te voir toi seul. Je suis venu ce matin, à toi seul, toi qui es le seul vainqueur, je vais t'adorer ce matin. Je ne veux pas donner cette adoration à tout pauvre d'autre, à toi seul ce matin, parce que tu mérites toute la gloire. Honoré, chacun, tu es honoré.
Il y a une adoration ce matin. Nous t'adorons ce matin. Et la Bible dit que tu sièges dans la louange de ton peuple. Seigneur, ce matin, alors que ton peuple, ici dans cette église, à travers les maisons, soit très honoré, Seigneur. Oh Dieu tout puissant, siège, 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 siège dans l'adoration de ton peuple ce matin. Alléluia, alléluia. Oh, tu es honoré, mon Père. Tu es honoré. Il a racheté le monde. Il est à la race de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es honoré. Oh, Saint-Esprit, tu es honoré dans cette église. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es adoré dans cette église. Saint-Esprit de Dieu, tu es adoré ici, à Saint-Esprit. Tu es adoré, Saint-Esprit. Nous t'adorons parce que nous reconnaissons que tu es toi-même Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Oh, la chata, la maman. Tu es adoré. Tu es adoré, Mama Chata, Mama Mama. Oh Jésus, tu es adoré, tu es adoré, Jésus. Tu es adoré. Merci Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit. Le Dieu de l'Église, pour la personne la plus importante dans l'Église actuellement, la Bible déclare que Jésus est monté au ciel et il est à la droite de Dieu le Père. Ton fauteuil de gloire est vide parce que tu es ici avec nous sur la terre. Et nous tournerons ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous tournerons ce matin. Nous tournerons dans cette Église ce matin. Et je sais que tu es là ce matin. Dans les maisons, tu visites, alléluia. Tu visites ton peuple. Parce que c'est ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es honoré. Merci Seigneur. Tu es honoré. Alléluia. Est-ce qu'on peut se faire silence pendant que le piano continue de jouer simplement ce matin? Que le Saint-Esprit te parle maintenant dans ton cœur. Parle-nous, Saint-Esprit. Personne qui est parmi nous ce matin,
Dieu vous parle depuis longtemps sur les membres de vos familles. Et pendant que nous sommes en train de, je suis en train de parler maintenant, le Saint-Esprit te dit, il imprime dans ton cœur de parler à ton frère de Jésus, mais tu hésites. Et je peux l'entendre. Il parle à ton cœur ce matin, il te demande de parler à ton frère de Jésus. Mais tu résistes pendant longtemps. Je veux seulement être un porte-voix, un relais ce matin, de dire que Dieu te demande de parler à ton frère. Je parle de frère. Tu es un frère que Dieu veut sauver. Parce que cet homme a certainement une destinée que Dieu veut accomplir. Mais tu résistes et tu ne veux pas le faire. Tu as peur, tu hésites. Ça m'a te rappeler ce matin. Que Dieu te voit. Et il te dit ce matin, parle à ton frère. Annonce-lui l'évangile. Parce qu'il a certainement un plan qui va accomplir dans la vie de cet homme. Père, merci pour cet temps, merci pour ta parole. Je veux totalement m'effacer ce matin. Je ne suis rien du tout, Seigneur. Saint-Esprit, permets-moi de parler de ta part. Permets-moi, avec mes faiblesses, avec mes manquements, d'utiliser la parole de Dieu. Je prie ce matin que tu amplifies cette parole dans les cœurs de chacun, au nom puissant de Jésus. Et je prie ce matin que rien ne vienne ôter cette parole, au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, ô Dieu de gloire, que toutes les barrières qui s'opposent à ta parole ce matin, ô Dieu de gloire, soient totalement, totalement brisées, s'écroulent, au nom de Jésus, afin que ta parole ait un couloir jusqu'à l'accès de notre cœur, ce matin, au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu es en train de faire. Ouvre ma bouche ce matin. Donne-moi de parler avec clarté, avec précision. Pour que ton peuple, Seigneur Dieu, ce matin, moi-même, sois édifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Là où tu es, donne-moi un bon Amen. Un bon Amen avec le tonnerre ce matin. Amen. 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 Dieu est avec toi, n'oublie jamais. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci aux chantres, merci à vous, c'est Kevin. Nous avons repris nos cultes et que Dieu nous aide à peaufiner, à continuer à travailler de sorte que ces cultes soient excellents. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour le travail. Merci au pianiste qui s'est déplacé depuis Bordeaux. Vraiment, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu bénisse abondamment. Et je bénis également la personne qui t'a amené. Je prie vraiment pour Dieu. Dieu de gloire, que tu bénisses aussi, que tu bénisses toute personne connectée ce matin à cet hôtel, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit ton partage là où tu es, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors merci, merci pour votre attention ce matin. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 30 minutes. Je vais finir à midi comme nous l'avons souvent fait à la télé. Vous savez, l'adoration est importante. On a passé à adorer Dieu, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante. Il y a des choses que Dieu est en train de régler pendant que tu l'adores. Il y a des choses qui se passent pendant que tu l'adores au Seigneur. Et même pendant que tu l'adores, il peut te parler. En adoration, la chose la plus, une des choses les plus importantes. Au ciel, la Bible déclare que les anges adorent de façon continue. Ils ne s'arrêtent pas d'adorer Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. On peut dire si ils étaient dans notre temps chronos, on dirait H24, les anges adorent Dieu H24, jour et nuit, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, ils adorent Dieu. Vous comprenez donc l'adoration a une place importante. C'est vrai que la parole aussi est importante. Mais l'adoration a quelque chose de particulier, c'est qu'elle attire la présence de Dieu. Alléluia. Et rien que par le fait que ce matin, parce qu'il t'a adoré Dieu, Dieu est venu installer des choses. Il y a des choses, bien aimé, que vous allez vivre. Un jour, Dieu m'a dit, fils,
ne vois pas les choses à l'extérieur de toi. Tu n'agis pas à l'intérieur de toi. Il y a des choses que Dieu fait pendant qu'on l'adore. Elles ne sont pas extérieures. Mais il est en train de faire des transformations à l'intérieur de toi. Parce que le but de Dieu, c'est ton cœur. Le but de Dieu, c'est ton cœur. Dieu veut gagner ton cœur. Non pas les choses extérieures. Je reviens maintenant à mon message. La transition à mon message, c'est ça. Dieu désire ton cœur. Le thème de mon message ce matin, c'est les 10 choses qu'un chrétien doit rechercher. Je l'ai un peu modifié de la semaine dernière. Les 10 choses qu'un chrétien doit rechercher. Les 10 choses qu'un chrétien doit rechercher. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit réellement rechercher? J'ai vu des hommes rechercher la gloire. Société, on a habitué aux gens à chercher la gloire, à chercher l'opulence, à chercher à être reconnu dans le monde entier. À rechercher un bon mariage, à rechercher une situation sociale. Toutes ces choses sont peut-être bonnes, bien aimé. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas ce qu'un chrétien doit rechercher. Parce qu'il y a des choses qu'un chrétien doit réellement rechercher. Et la première chose que j'ai identifiée, elle est, c'est la présence de Dieu. La première chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Et beaucoup se trompent. Ils viennent à l'église, recherchent l'amitié du pasteur. Ils recherchent l'amitié des frères et sœurs. Peut-être que c'est bien. Ils recherchent un mari. Ils recherchent une femme. Il cherche la présence. Il cherche la présence de beaucoup de personnes. Je vais vous dire, la seule présence qui est capable de combler toutes ces choses, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi la première chose qu'un chrétien, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a accès au salut, doit rechercher, c'est d'abord la présence de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Ne va pas à l'église pour chercher ton pasteur. Laisse ton pasteur tranquille. Ne va pas à l'église pour chercher une femme. Laisse la sœur tranquille. Ne va pas à l'église pour chercher un mari. Laisse le frère de Dieu, l'enfant de Dieu, tranquille. Ne recherche même pas l'amitié des hommes. Parce que les hommes peuvent te trahir. Mais regarde, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Ça veut dire que les hommes sont incertains dans leur relation avec les autres. Il a beau être pasteur, frère, tout ce que tu veux. Le cœur de l'homme est tortueux. Voilà pourquoi il faut rechercher non pas les hommes, mais rechercher la présence de Dieu. Alléluia. Tape l'épaule de ton frère, dis-lui, cherche Dieu. Cherche Dieu. Le texte de base est trouvé dans Psaume 14, versets 1 à 2. Je lis pour nous. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir si quelqu'un soit intelligent. Qui cherche Dieu? On voit que même Dieu lui-même cherche des gens qui le cherchent. Dieu lui-même cherche des gens qui le cherchent. Dieu lui-même, le Créateur du ciel et la terre, est en tête dans l'univers entier des hommes qui le cherchent. Donc, vois-tu, ne va pas à l'église pour chercher ton pasteur. Laisse-le tranquille. Parce que Dieu te cherche. Dieu veut que tu le cherches lui, non pas ton pasteur. Je ne dis pas qu'avoir une relation avec son pasteur est mauvaise chose. Non,
moi-même qui vous parle, j'ai des leaders spirituels devant moi. J'aime leur présence. Mais leur présence, bien-aimée, ne vaut pas celle de Dieu. Aussi puissant soit-il, quelle que soit l'onction qu'il transporte, même s'il agite les vestes, les gens tombent, bien-aimé. C'est l'onction de ton Père pour appeler Dieu. Donc vois-tu, arrête d'envoyer à ton pasteur lorsqu'il ne t'appelle pas. Parce que bien souvent, c'est ce que les chrétiens font. Tu veux qu'il t'appelle, tu veux qu'il te rende visite, laisse-le tranquille. La seule vie que tu dois avoir, c'est celle de Dieu toi-même. Et quand tu as compris ça, bien-aimé, si ton pasteur ne t'appelle pas, tu n'en fais pas un problème. Si tu n'en fais pas visite, tu n'en fais pas un problème. Parce que tu sais que tu as celui qui est plus grand que ton pasteur. C'est Dieu lui-même le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas aller à l'église pour chercher un homme. Et Dieu cherche des hommes qui le cherchent. Dieu parcourt toute la terre et cherche un homme qui passe du temps avec lui dans sa présence. Qui cherche des personnes qui cherchent sa présence. Qui, de façon quotidienne, aime à chercher sa présence. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Alléluia. On a dit que chercher Dieu, c'était chercher à le connaître. Chercher Dieu, c'était discerner sa volonté. Chercher Dieu, c'est acquérir sa nature. Chercher Dieu, c'est acquérir la sagesse. Lorsque tu cherches Dieu, toutes ces choses se sont données. Tu connaîtras mieux Dieu, sa volonté pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Et tu acquiers de l'intelligence. Parce qu'aucun homme ne peut te donner tout ce que Dieu te donne. Malgré toute sa sagesse, malgré toute l'onction qu'il transporte, il faut être dépendant du Saint-Esprit et de Dieu lui-même. Ils sont tellement dépendants des hommes. Bien-aimés, soyez dépendants du Saint-Esprit. La Bible déclare que oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est lui qui est Seigneur. Et il faut que vous dépendiez de lui. Non pas d'un homme. Même si un homme peut être utilisé pour Dieu, pour t'amener quelque chose. Donc la première chose que tu dois rechercher, c'est sa présence. La présence du Saint-Esprit. Je rappelle ça pour le message de la semaine dernière. Ce matin, on va. Et voyez-vous, pour chercher Dieu, il faut le rechercher avec une attitude. Il faut une attitude et Dieu se trouve aussi dans un temps. Donc, il y a donc deux choses qui rythment ta quête de Dieu. C'est le temps et l'attitude. Parfois, beaucoup de chrétiens ne trouvent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas dans ces deux paramètres. Ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas le temps. Le temps, pour pas bien le même, vous savez, Dieu se laisse trouver. Tandis qu'à un moment donné, Dieu se cache. Pour le trouver, il faut du temps. Pour trouver Dieu, il faut du temps. Pour accéder à la révélation de Dieu, il faut du temps. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas en 10 minutes de prière. Mais c'est ce qu'il va te dire pendant que tu passes du temps avec lui. Dans son intimité, dans sa présence. Pour les gens qui croient que Dieu est devenu un fast-food, ils viennent, c'est rapide, ils prient une minute et ils vont avoir toute la révélation du monde. Ils prient 15 minutes et que Dieu lui dise tout ce qu'il doit faire en toute l'année. Bien-aimé, Dieu se cherche et Dieu joue notre relation avec lui par le temps. Tant que tu passes avec lui. Le temps que tu passes avec Dieu. Alors, je pose une question ce matin. Combien de temps tu passes avec Dieu? Sois sincère et honnête. Pour vivre les grâces de Dieu, nous devons rechercher la présence de Dieu
d'une certaine façon et dans un temps déterminé. Écoute ceci. Un chronique. 22, verset 19. La Bible dit ceci, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à rechercher l'Éternel, votre Dieu. Il y a donc une attitude à avoir pour chercher Dieu. On continue. L'âme, écoutez-moi très bien, il dit, appliquez-vous à rechercher Dieu de toute votre âme. Nous savons que l'âme, c'est le ciel des sentiments et des émotions. Ça veut dire que pour chercher Dieu de toute son âme, il faut engager tes émotions. Tout à l'heure, on lira une histoire de David. On va comprendre. Lorsque l'âge d'alliance revenait de chez les Philistins, il déclare que David dansait. David dansait. Donc, il engageait ses émotions. Il engageait ses émotions. Il y a des gens dans les églises. Quand on le Seigneur, il est là comme un caillou, stoïque. Mais, bouge un peu. David sautait, il dansait, le roi David dansait devant Dieu. Il bougeait devant Dieu. Mais toi, dans le Seigneur, un chant d'adoration de louange, tu es stoïque comme un caillou. Même pire qu'un caillou, au moins peut bouger vers le vent. Mais toi, tu es stoïque, stoïque. Stoïque. Tu peux sentir, tu es stoïque, tu ne peux sentir aucune émotion. Par contre, tu t'expires, les gens pleurent. Toi, tu es là, tu es évasif. Frère, chercher Dieu engage aussi notre âme, notre sentiment. Donc, tu peux pleurer devant Dieu. Tu peux rire devant Dieu. Et on a appris aux gens à être des religieux dans les églises. Oh non, ne pleurez pas. Chantez pas trop haut. Et par haute voix, bien-aimé, vous-même, je vous pose une question. Attendez, dites-moi la vérité. Les hommes là, toi qui me regardes là, toi qui me regardes à travers l'internet, quand le Real de Madrid gagne le championnat, tu as pas crié. Non, non, dis la vérité. Dis. Ils ont gagné le championnat. Je suis à la page. Je suis à la page. Le Real a gagné le championnat cette semaine. Les férus du Real de Madrid ont dû sauter à toute joie. Ils ont exprimé leur joie parce qu'ils avaient gagné. Mais quand tu viens à l'église, pourquoi quand on dit le Seigneur adore-le, tu es incapable de le faire? C'est que tu as un problème. Les femmes, là, quand vous voyez une femme à l'eau de rose, pleurez, non? Je me rappelle quand j'étais jeune, quand Titanic était sorti, quand le film était venu au Gabon, Seigneur Jésus. Vous savez qu'il y a une période quand il disparaît dans l'eau là. Il est dans le bois. Il a grippé, voilà. Quand il disparaît là, les filles pleuraient. Quand il a disparu, en plus, c'est pris, vous savez, les Américains sont trop forts. Il faut aussi la caméra pour qu'on le voit bien partout. Il a disparu dans l'eau. Donc les filles ont commencé à pleurer. Tes émotions sont engagées, ma soeur. Tu pleures. Mais quand c'est à l'église, tu es stoïque comme du marbre. Et c'est ça, chercher Dieu. Donc on doit chercher de tout son âme. De tout son âme. Engager tes émotions, tes sentiments à chercher Dieu. Tes sentiments cherchent Dieu. Tu pleures devant la face de Dieu. Tu n'as pas honte de pleurer devant lui. Tu n'as pas honte de qu'est-ce que tu es, David? Qu'est-ce qu'il était? Il dansait, lui, même sa femme. Sa femme ne comprenait même pas pourquoi il dansait. Sa femme voit David arriver, il danse.
Elle dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle va penser comme ça? Mais David savait la relation qu'il avait avec Dieu. Il s'en foutait, excusez-moi l'expression, de ce que les hommes pensaient de lui, dès lors qu'il était devant la présence de Dieu. Et bien aimé, je m'excuse de l'expression de vous en foutre. Ce que les gens pensent de vous, dans la présence de Dieu. S'il te pousse à danser, ma soeur, mon frère, danse. C'est un signe de ton amour à Dieu. On approche un décrétaire stoïque, le que j'appelle le spirituellement correct. Soyez bénis. Crions le Seigneur. Amen. Et après, ils s'en vont. Vous-même, si quelqu'un vous invite chez lui et vous lui parlez comme ça, il vous prend comment? Non, répondez à ma question. Si quelqu'un a mangé chez toi et vous te parlez, tu vas dire, mais quel problème, moi? Quel problème? Et nous le faisons tous les jours à Dieu. Tous les jours. Tous les jours. Et là, vous anciens, vous avez des petites religions dans l'église, des petites religions dans l'église. Comme quelqu'un parlait en langue. Ouh, sacrilège! Il a osé parler en langue. Ouh! Quand il lève la voix devant toute la santé, tu t'as dit de lever la voix, tais-toi! Ici, on ne fait pas ça. Ici, on ne parle pas en langue. Ici, on ne crie pas. Ici, on prie comme les autres. Mais David nous démontre quel type de relation il avait avec Dieu. David dansait. Et si David dansait devant les hommes, je suis sûr que seul, il faisait les boums avec Dieu. Non, écoutez, si quelqu'un est capable de le faire devant les gens, c'est que seul, mais il fait les boums. Il fait les boums avec Dieu. Et Dieu aimait ça. Dieu aimait ça. Un jour, David va commettre un péché. Il va dénombrer le peuple. Et il déclare que ce dénombrement n'a plus à Dieu. Et Dieu arrive, Dieu arrive, et Dieu arrive. Dieu, vous savez que Dieu condamne le péché, Dieu punit le péché. Mais quand David pêche, Dieu dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire à David? Si je le punis trop fort, qui va encore me faire la boum? David était un joueur de harpe. Donc j'imagine chez lui. Dieu. Je ne sais pas comment il faisait. Mais Dieu aimait ça. Donc quand David pêche, Dieu dit, ce n'est pas possible. Si je le punis, qui va encore en Israël m'adorer comme lui? Donc, je fais une chose avant David. Et vous voyez, quand vous lisez ce texte-là, sinon je pense un chronique. Dieu lui-même, oh, pose à David 3 centions. Vous avez vu ça, vous avez vu ça un jour. Quelqu'un pêche contre Dieu et Dieu arrive, Dieu dit, oh, David, je te propose 3 punitions. Toi-même choisis la punition et Dieu parle. Vous avez vu ça vous. Un Dieu qui n'aime pas le péché. Un Dieu qui punit le péché. Il dit, mais quand a péché? À quand a péché? À quand a péché? Dieu est venu, il a ouvert la terre, ils sont tous rentrés la fermer les barres. Mais pourquoi quand David pêche? Pourquoi? Quand David pêche, Dieu lui dit, ah, David, je te propose trois choses. Pourquoi? Il aimait l'adoration. La relation que Dieu avait avec, que David avait avec Dieu. Mais c'est impossible. Si j'enlève la terre maintenant, si j'enlève Israël, qui va encore me faire les guides spirituels? Personne! Personne, bien aimé. Donc, il faut engager vos émotions quand vous cherchez Dieu. Pleurez. Bien, mais c'est pas une honte devant Dieu. Riez. Ce n'est pas manquer de respect à Dieu. Alléluia. Oh, c'est même pas mon message, comme ça. C'est pas mon message. Alors, donc, on doit rechercher Dieu également après l'avoir cherché par notre âme. On doit se rechercher par notre cœur.
Jérémie 23, 29, 10, 13. Il dit, vous me cherchez, Jérémie 29, 13, il me dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Donc Dieu désire, quand tu le cherches, tu cherches sa présence de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et c'est quoi chercher Dieu de tout son cœur? C'est chercher avec sincérité, chercher avec vérité, sans a priori, sans parti pris, de façon neutre. Tu cherches Dieu sans a priori, en étant impartial, dans une attente de le voir agir dans ta vie, avec humilité, obéissance, révérence et soumission. C'est ça, chercher de tout son cœur. Ton cœur est engagé à chercher Dieu dans une telle obéissance, dans une telle soumission, dans une révérence. Il y a des gens qui vont à l'église des mains en poche. Bien-aimé, je vous assure, essayez d'aller voir un chef d'État avec les mains en poche, il va vous chasser. Je veux dire, essayez d'aller voir un chef d'État avec les mains en poche. Essayez d'aller avec votre téléphone allumé. Il va vous chasser. Moi, des chrétiens aujourd'hui qui laissent le téléphone sonner alors que Dieu est présent dans la salle. Qui prie avec les mains en poche. Qui prie avec les chewing-gums. Et vous dites respecter Dieu. Alors que lorsque votre patron au travail vous parle, votre téléphone est éteint. Votre patron au travail, lorsqu'il vous parle, votre téléphone est sous vibreur. Mais quand tu viens à l'église, tu le laisses allumé. Et il sonne à l'église. Quel respect montres-tu à Dieu? Quel respect montres-tu à Dieu? Les choses qu'on voit comme ça, et on croit que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Parce que notre cœur est engagé. Et vous savez que Dieu tient au cœur. Dieu tient au cœur. Il a dit lui-même que je regarde au cœur et non aux apparences. Donc, c'est vrai que Dieu ne regarde pas aux apparences. Ça compte aussi. S'il y avait un pourcentage à faire, on va dire c'est du 80, c'est du 95-5. Dieu regarde au cœur 95%. Mais il voit aussi ton extérieur à 5%. Et comme Dieu veut le 100%, aucune des parties ne doit être négligée. Dieu cherche ton cœur. Tu ne cherches pas ton extérieur. Il cherche ton cœur parce que le cœur est tout précieux avec Dieu. Avec moi, Matthieu 5, 28. Matthieu 5, 28. Je vais lire avec vous. Matthieu 5, 28. Regardez la Bible. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est vrai que si on lit ce texte, on parle d'adultère, oui. C'est indéniable, c'est vrai. Mais écoutez ceci. Derrière ce texte, il y a une révélation derrière. Dieu est en train de dire que l'attitude de ton cœur est capable de créer quelque chose. Si tu regardes une femme pour la convoiter, dans ton cœur, tu as déjà créé l'adultère. Ça veut donc dire que le cœur est important pour vivre une relation avec Dieu.
contrôle. Le cœur dirige la vie. Ton cœur dirige ta relation avec Dieu. Si ton cœur n'est pas engagé dans ta relation avec Dieu, dans la recherche de Dieu, alors pose-toi des questions sur ta relation avec Dieu. Parce que Dieu parle au cœur. Qui contrôle ton cœur, contrôle ta vie. Si quelqu'un, c'est pour ça que vous aimez vos maris, parce que vous aimez de votre cœur, on les aime. Tu l'appelles Dougou, tu l'appelles chérie, tu l'appelles tout ce que tu veux, et tu l'aimes, donc ton cœur est engagé, tu l'aimes. Et tu es prêt à faire beaucoup de choses pour lui. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Donc il contrôle ton cœur, contrôle ta vie. C'est pour ça que le but de Dieu, ce n'est pas d'abord d'offrir une belle maison, une belle voiture, un beau travail. Oui, c'est des choses qu'il peut te les donner. Mais ce que Dieu recherche avant toute chose, c'est ton cœur. C'est que sa présence se trouve dans ton cœur. Et Dieu éprouve toujours le cœur de l'homme pour voir quels sont ses sentiments. Dieu éprouve notre cœur pour voir quel est notre engagement vis-à-vis de lui. Ce que Dieu veut changer en toi, bien-aimé, ce n'est pas d'abord l'extérieur. C'est ton cœur qui veut changer. Alléluia, voilà pourquoi Dieu a dit à quelqu'un comme David, voilà l'homme selon mon cœur. Donc ce que Dieu recherche, ce que Dieu veut que tu recherches, c'est à bâtir une relation, sa présence dans ton cœur. Parce que Dieu cherche des hommes qui ont son cœur. Dieu cherche des hommes qui ont son cœur. Vous imaginez, Dieu dit à un homme qu'il est l'homme selon mon cœur. Waouh! Vous imaginez ça? David était spécial. Hein? David était spécial. Comment est-ce que Dieu peut dire que voici l'homme selon mon cœur? Et de toute l'histoire de la Bible, c'est le seul homme à qui Dieu a dit voici l'homme selon mon cœur. Même à Moïse, il n'a pas dit ça. Alors que Moïse parlait avec Dieu face à face, Moïse voyait Dieu tous les jours. Mais Dieu a dit à un seul homme, voici l'homme selon mon cœur, à David. Il faut comprendre comment David était. Si quelqu'un veut avoir le type de cœur que Dieu recherche, il faut voir la vie de David. Qu'est-ce qui a fait que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Pourquoi Dieu l'a appelé ainsi? Pourquoi il n'a pas appelé Moïse comme cela? Pourquoi il n'a pas appelé Josué comme cela? Il a dit à Moïse, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David avait un cœur particulier. David recherchait Dieu, sa présence. C'était la soif de Dieu. Il ne s'agissait pas de chercher la présence de Dieu. Il mettait un point d'honneur à trouver Dieu. Alors, voilà, la première chose qu'il va rechercher, c'est la présence de Dieu, comme David. Il avait un cœur obéissant. Le péché était une erreur pour lui. Or, pour nous, le péché est quotidien. Daniel était un homme humble, serviable, il avait un cœur pur. Voilà ce qui a fait David, qui soit appelé l'homme sur le cœur de Dieu. Première caractéristique, un homme qui cherche Dieu. C'est-à-dire que si tu veux être l'homme sur le cœur de Dieu, il faut que tu cherches Dieu d'une certaine manière et dans le temps. On l'a vu plus haut. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la vie de David nous démontre à suffisance que Dieu s'intéresse beaucoup plus à l'état de notre cœur. Voilà pourquoi il faut parler à l'église pour chercher ton pasteur, pour chercher le cœur de Dieu, être un homme sur le cœur de Dieu. Amen. Écoutez, je vais vous raconter une histoire concernant cet aspect principal. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Dieu nous traite en fonction de l'état de notre cœur. Et là, suivez-moi très bien. Je répète, Dieu nous traite
en fonction de l'état de notre cœur. Je vais vous prendre deux personnages. On va le comprendre. Prenez rapidement 1 Samuel chapitre 15. C'est l'histoire de Saül. 1 Samuel chapitre 15. Dieu nous traite en fonction de l'état de notre cœur. Je veux dire, Samuel dit à Saül, Samuel 15:1, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour point de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il fut fermé, lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie. Quand j'ai lu ça, ça m'a révélé une facette de Dieu. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Écoutez, ici c'est Samuel qui parle. Or, l'histoire de la sortie du peuple juif est très en avance. Donc, il y a eu plusieurs siècles entre la sortie d'Égypte et ce que Samuel va dire ici. Mais Dieu rappelle à Samuel que Amalek avait empêché cet Israël s'empare du pays de Canaan. Donc, des siècles plus tard, ouais, Dieu n'oublie jamais. Dans les bienfaits, Dieu n'oublie pas. Ta relation avec Dieu que tu construis maintenant peut être utile pour tes enfants des siècles plus tard. Tes enfants peuvent vivre les grâces à cause de ta relation avec Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas. Ici, il rappelle à Samuel. Il dit, Samuel, rappelle-toi que Amalek, pendant que mon peuple sortait d'Égypte, donc, mon peuple avait été empêché par Amalek. Donc maintenant, dis à Saül, allez détruire Amalek. Donc même tes ennemis, Dieu n'oublie pas. Est-ce que tu me suis? Si quelqu'un t'a fait quelque chose depuis des années, il t'a empêché d'accomplir la volonté de Dieu depuis des années. Pas très bien. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Si quelqu'un t'a empêché d'avoir accès à la volonté, parce que le peuple de Dieu devait aller à Canaan, était la volonté de Dieu. Si quelqu'un t'a empêché d'accomplir ce que Dieu t'a dit de faire, Dieu n'oubliera pas cette personne. Donc si un sorcier, bien-aimé, si un sorcier t'a empêché de faire ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu le voit. Et s'il ne te répond pas, comme Amalek, Dieu le jugera. C'est juste une parenthèse. Pas maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce que, qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, œufs et brebis, chameaux et ânes. Convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Il marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit en une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez. Vous sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chou, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et le dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 11. Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes commandements. Mes paroles, pardon. Ici, on voit l'histoire de Saül. S'il est en train de faire quelque chose, il le fait à moitié. Et Dieu dit, le cœur de Saül
n'aurait pas pu t'en dire accorder. Et Dieu a frappé Saül. C'est là où Dieu a renié Saül. C'est là où Dieu a dit à Saül, tu ne seras plus roi d'Israël. Maintenant, première personne, on va finir avec ça. On continue la semaine prochaine. Deuxième personnage que nous allons voir, retenez bien le texte 11. Le verset 11 du chapitre 15 de 1 Samuel, où Dieu dit à David, à Saül qu'il n'a pas le cœur. Maintenant, prenez avec moi 1 Chronique 21, 1 à 30. On va finir par là aujourd'hui. 1 Chronique, je disais que Dieu nous traite en fonction de l'état de notre cœur. Chronique 21, verset 1. Je vais lire. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-moi le mois afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et à Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Ce temps déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. En faisant cela, maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le frère de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je te frapperai. Dieu nous traite en fonction de l'état de notre cœur. Écoutez, David pêche contre Dieu, Saül pêche contre Dieu, les sanctions sont différentes. Saül pêche et Dieu le désavoue comme roi. David pêche contre Dieu et Dieu trouve une solution. Pourquoi est-il une différence entre Saül et David? L'histoire du cœur. L'histoire du cœur. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu est capable de gérer de façon différente en fonction ses enfants. Deux enfants du Seigneur, Saül et David, les deux pêchent. On sait que Dieu a horreur du péché. Les deux pêchent. Mais voyez-vous, la réaction de Dieu est différente entre les deux enfants. À l'un, il va le désavouer, à l'autre, il va trouver une solution. Autre, le désavouer. Pourquoi? À cause de l'histoire du cœur. Voilà pourquoi aimer. Il faut rechercher Dieu de tout son cœur. Le cœur est important. Au Dieu de Dieu. On va finir là parce que j'avais prévu effectivement finir à midi. Et il faut se tenir à l'heure. Sinon, je passerai pour un menteur. Continuons la semaine prochaine. Nous allons voir d'autres choses la semaine prochaine. Sur les bienfaits de la présence de Dieu. On va voir les bienfaits de la présence de Dieu. Pourquoi c'est bien de chercher la présence de Dieu? Pourquoi c'est bien d'avoir Dieu dans sa vie? Ne manque pas, invite du monde, transfère le lien, parce que dimanche, on va voir de façon claire ce que Dieu fait lorsqu'on le cherche, lorsqu'on l'a trouvé. Devant, nous allons prier. Je ne sais pas ce que tu as entendu ce matin, on a parlé pendant 30-35 minutes. Et le message central tourne autour du cœur. S'il y avait quelque chose que tu devais retenir ce matin, c'est de retenir une chose. C'est que Dieu cherche des hommes qui le cherchent. Et Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche un homme qui le cherche. Et Dieu cherche un homme selon son cœur. Quand je parle de homme,
Alors, homme est grand H, homme et femme. Dieu cherche une femme qui cherche Dieu. Dieu cherche une femme qui est sur le cœur de Dieu. Dieu cherche un homme qui est comme qui est sur le cœur de Dieu et qui cherche Dieu lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, ton cœur est important aux yeux de Dieu. Il a dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Prie maintenant ce matin. Je ne sais pas ce que tu as retenu, ce que tu as compris ce matin. Mais prie en fonction de la révélation que tu as reçue. Si l'aspect particulier t'a interpellé ce matin, prie par rapport à cette situation. Père, je prie ce matin au Dieu de gloire, fais des hommes selon ton cœur, fais de moi un homme. Oui, selon ton cœur, comme un homme comme David. Tu as dit à un homme qui est l'homme selon ton cœur. Tu n'as plus jamais dit cela à un homme, à part à David. David était particulier. Sa vie m'enseigne ce qu'est avoir le cœur de Dieu. Père, aide-moi. Alors que le Saint-Esprit est dans mon cœur, aide-moi à avoir un cœur selon toi. Non pas un cœur comme David, mais un cœur comme toi tu veux que j'aie. Afin que moi aussi, tu puisses à cela être l'homme selon mon cœur. Parce que David est mort. David n'est plus la terre des vivants. David est avec toi au ciel. Mais c'est sur la terre qu'on peut dire, un homme sur ton cœur. En fait, je prie, aide-moi, aide ton église, aide l'église dans ton cœur, aide ton église ici à Libourne, ton église universelle, aide une église sur ton cœur, une église comme toi tu veux, une église sur ton modèle, des hommes sur ton modèle, des hommes sur ce que tu veux, et n'a pas ce que nous voulons. Aide-nous, Seigneur. Voici notre demande. Voici nos cœurs ce matin. Voici notre requête, Seigneur. Ce matin, on ne demande pas de l'argent. On ne veut pas d'or. Comme Salomon a dit, je ne veux ni or, ni ces choses. Mais je veux la sagesse. Et ce matin, j'emprunte les mêmes mots. Père, on ne veut ni or ni argent. Mais nous voulons avoir des cœurs comme toi. Des cœurs comme toi. Seigneur, des cœurs comme toi. Des cœurs à ton image. Des cœurs qui te ressemblent. Des cœurs qui sont à qui à ta cause. Voilà, Seigneur, ce que je désire. Voilà ce que je veux, Seigneur. Voilà ce que je veux. Disposer d'un cœur comme toi. Un cœur selon ton modèle. Aide-moi, Seigneur Dieu. J'ai besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Prends nos cœurs, Seigneur. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs, Seigneur. Des cœurs assoiffés. Des cœurs assoiffés par toi. Des cœurs qui cherchent ta présence. Des cœurs qui cherchent ta présence. Des cœurs qui te recherchent. Jour et nuit, jour et nuit, selon la paix selon, heure après heure, jour après jour, mois après mois, année après année, comme des cœurs de recherche, des cœurs assoiffés, des cœurs passionnés par toi, des cœurs pleins de ta présence, Seigneur. Voilà ce que nous voulons, Seigneur Dieu. Accorde-nous cela, Seigneur. Père, voici notre demande. Voici notre prière.
Père, qu'aurais-tu fait avec cette prière? Vas-tu nous laisser comme nous sommes entrés? Vas-tu nous laisser comme nous sommes? Voici ton prière, Seigneur. Faites avec conviction et foi. Et nous attendons à toi, Seigneur. Et que toute personne connectée à son hôtel ce matin reçoit l'exaucement à cette prière. Nous voulons le fond de notre Saint-Esprit. Père, merci. La gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je donne le micro à Vision qui va clôturer la fin de ce culte. Amen, Amen. Nous allons prendre un temps pour les offrandes. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes au travers des virements sur le compte de l'église Sibibon. Et vous pouvez également garder dans votre cagnotte celle que vous avez mise à part depuis le début du confinement. Continuez à déposer vos dîmes, vos offrandes dans cette corbeille et vous pourrez les remettre lorsque nous nous retrouverons. Nous avons été enseignés dans les semaines qui ont précédé sur l'importance de la dîme. La dîme, on ne paye pas sa dîme, on donne sa dîme au Seigneur. Et les offrandes pour celles qui étaient présentes durant ce week-end à cette conférence des femmes multidimensionnelles, nous avons été enseignées sur l'importance des offrandes, que ce sont des autels que nous élevons, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos maris, notre couple, nos enfants, notre activité professionnelle, notre destinée. Il y a un autel que nous élevons lorsque nous apportons nos offrandes au Seigneur avec nos prières et qui parle en notre faveur devant le trône de Dieu. Et au temps favorable, au jour du salut, le Seigneur nous exauce. Cet autel parle en notre faveur. Alors mettez à part cela, donnez au Seigneur pour que vraiment le nom de Jésus soit encore glorifié et élevé. Alléluia, alléluia. Nous arrivons au terme de ce culte. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces moments dans sa présence. Il est glorieux, il est merveilleux, notre Dieu. Recherchons-le encore davantage, mais ne le cherchons pas n'importe comment. Cherchons-le avec tout notre cœur, avec toute notre âme, et vraiment prenons le temps. C'est vrai qu'on est occupé à toutes sortes d'activités, d'occupations, mais le Seigneur nous demande de le chercher premièrement, lui et son royaume et sa justice. Et alors, nous verrons sa gloire. Vraiment, mettons à part ce temps, payons, donnons notre dîme du temps au Seigneur également, parce qu'il nous recherche, il cherche des hommes, des femmes qui le recherchent. Vraiment, soupirons après lui, ayons soif et faim de sa présence. Et certainement, le Seigneur nous parlera, certainement, le Seigneur nous fera du bien. Amen, amen. Seigneur, merci pour ce culte, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous a encore parlé, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons parce que, Seigneur, nous savons que tu es là, tu es un bon Père pour nous, Seigneur, et tu nous cherches. Tu veux que nous venions davantage encore dans ta présence, te chercher, toi, venir poser nos têtes sur ta poitrine comme pouvait le faire l'apôtre Jean. Seigneur, vraiment, te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme, avec tout ce que nous sommes, Seigneur, et t'offrir le meilleur de nous-mêmes, non pas le reste, les miettes, mais t'offrir le meilleur de notre vie, t'offrir le meilleur de ce que nous pouvons t'apporter. Seigneur, merci pour cette relation que tu nous donnes avec toi par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur, avec laquelle tu nous parles encore, Seigneur, tout au long de cette semaine. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur Père, parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Père, pour ce que nous allons vivre durant cette semaine, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous, que ton amour ne s'éloigne point de nous, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, c'est toi qui nous soutiens, qui nous fortifie, qui nous donne de faire des exploits avec toi et d'aller encore plus loin dans la connaissance de qui tu es, de ton amour, Seigneur.
Bénis ton peuple, Seigneur, bénis tes enfants. Bénis, Seigneur Père, souviens-toi de nos familles, Seigneur, également, de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, se manifeste, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, dans les cœurs. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et à nous retrouver tout au long de cette semaine et dimanche prochain pour ceux qui sont connectés avec nous pour le culte. Gloire à Dieu. Bonne semaine à tous. Au revoir. Thank you.